What's up, c'est Was, j'espère que ça va. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo où je me déguise en vieux. Et comme j'aime bien réaliser les défis, j'ai fait en sorte de pouvoir faire cette vidéo. Alors un ami qui s'appelle Paco m'a prêté un masque réaliste qui vient tout droit des États-Unis et qui coûte plus de 2000 euros. Mais on se calme tout de suite, je ne l'ai pas payé. Alors bien sûr, je précise que je n'ai pas du tout inventé ce concept. Ça a déjà été fait par des freestylers dans plusieurs pays et même des freestyleuses. Ça a même été fait dans pas mal de sports comme le skateboard, la musculation, le breakdance. Mais à ma connaissance, je n'ai vu personne en France le faire. Donc j'ai vraiment voulu être le premier à le faire ici, dans le freestyle en tout cas. D'ailleurs, la plupart des vidéos qui ont été tournées dans ce genre là, c'était soit pour une publicité ou soit les gens étaient des figurants, donc les réactions etc étaient fake pour la plupart. Donc dans cette vidéo, il y aura seulement deux complices, ce seront les freestylers que vous allez voir au début. Après, rien n'est fake, donc les réactions sont vraies. Les gens n'ont pas été choisis, donc c'était les gens du public qui étaient vraiment là, donc des passants. Donc j'ai voulu faire vraiment un truc authentique et réaliste et vraiment tester la vraie réaction des gens. Voilà, maintenant je vous laisse avec ce prank. Enfin, quand je dis prank, on se comprend, hein. C'est pas un prank du genre j'ai fait croire à ma mère que je meurs ou je sais pas quoi. J'en profite aussi pour vous demander en commentaire si vous avez d'autres pranks de ce genre-là que vous aimeriez que je réalise. Et moi, je vous dis bon visionnage. Pour YouTube.